Veuillez accueillir chaleureusement M. Pierre-Carl Péladeau. Particulièrement, effectivement. Donc, de l'annonce de ma candidature à la direction qui avait eu lieu justement à l'Université de Montréal. C'était pas nécessairement le fruit du hasard, mais un petit peu aussi en même temps parce que j'avais été porter mon bulletin de candidature, mais j'étais très heureux de le faire puisque j'ai passé de très belles années à l'Université de Montréal et vous le savez, j'ose espérer, et vous ne l'oublierez jamais. Parce que cette formation politique a toujours été fortement engagée pour le développement de l'éducation. Je comprends qu'on parle de la souveraineté, c'est la semaine de la souveraineté, mais je ne peux faire autrement que rapidement faire un détour, qui n'en est pas un, parce que je ne voudrais pas diminuer l'importance de l'éducation, mais il m'apparaît essentiel de remettre toujours et avant tout l'importance que constitue pour le Parti québécois toutes les dernières décennies dans lesquelles le Québec s'est engagé. Dans cet investissement majeur, parce qu'il n'y a pas plus important investissement pour une collectivité que celui de faire en sorte justement de nous engager profondément et solidement dans l'éducation, parce que, telle une nation, bien, l'éducation, c'est la liberté. L'éducation, c'est la capacité de se forger son propre jugement. L'éducation, c'est la voie de passage pour faire en sorte d'être en mesure de prendre ses propres décisions. Et évidemment, l'éducation, tel le projet du Parti québécois, qui est celui de donner à notre nation un pays, bien, c'est celui justement de pouvoir rayonner dans ce contexte des dernières décennies qui nous a donné la mondialisation. Je persiste et je croirai toujours intimement que le Québec a sa place plus que jamais, justement dans cet échiquier mondial, dans cet échiquier qui pourra lui permettre de continuer à mettre en valeur ses singularités, sa spécificité, son économie, sa culture, sa langue, et évidemment de négocier adéquatement auprès des différentes nations qui composent donc dorénavant la planète, ce qui est nécessaire pour nous engager encore davantage dans les avenues auxquelles je faisais référence.